pour secouer les deux. T'es garde de pêche en plus. Ouais, je suis garde. Oh non, ben non, moi c'est simplement le fait de faire remonter les informations et puis de rappeler les pêcheurs à la sagesse des 6 poissons par jour par personne. Bah c'est important quand même. Hein. Chose qu'on a de plus en plus de mal à faire respecter par contre. J'ai l'impression que les gens savent pas qu'on a un kilo. Là, il y a des beaux postes. C'est plus clair. Ouais, c'est un peu plus clair qu'en haut. En haut, c'est moins. En haut, c'est un peu. Comment ? Ah, bah, c'est bon. Devant moi là. T'emmènes. Voilà, tiens vas-y là, voilà. Là le poids c'est super joli là, regarde. Lève-toi, Yannick, qui va te mordre des bottes. Allez, je vais là. Remets le culotte, puis on lâche. Elle s'appelle Fario. Attends, je la prends déjà. Je la cherche. Tiens, celle-là, là. Oh, elle est belle, ouais. Oui. Elle a un petit belle. Point rouge. Ça, c'est une vraie. Hop là. Allez, va-t'en. Comme le chasseur. S'il y a quelqu'un derrière qui passe de ça, alors ça peut dissuader. Ah oui, hein. Parce que là c'est important. Voilà. Hein. Moi, je vous dis, là, voilà, là je privilégie un petit poste où il y a le courant passe au large et là ça fait un petit reculé où c'est que le poisson va pouvoir se caler un peu en dessous sous l'échave là. Et le pêcheur bah, il pourra prospecter en dessous. C'est des postes sympathiques, on va dire. En fait, si je comprends bien, tu lâches pas n'importe où et n'importe comment quoi. Bah, disons que vu la force du courant, si on les met en plein courant, les poissons, c'est des poissons quand même d'élevage hein, qui sont pas forcément habitués au courant. Les poissons, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dévaler. Donc on essaye de choisir des postes où il y a des petites des petits calmes comme ça là, où le poisson bah, il a le temps de s'habituer un peu avant d'aller chercher un autre poste peut-être pour se caler.
bah, je vais remonter un petit peu plus haut. Voilà. Donc là c'est pareil, le courant passe sur la rive gauche et là sur la rive droite, bah, ça serpente un peu, donc il y a des recoins, il y a des souches, donc les poissons peuvent se caler dedans sans être emportés tout de suite par le courant. Donc voilà. On va mettre encore trop au casse ici. Voilà.